Salut, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo, tout simplement. Bon, je suis devant ma couveuse, donc là j'ai changé de place comme vous pouvez voir. Je sais pas si je vous ai fait une vidéo là-dessus. Enfin non, je vous en avais pas fait, c'est sûr, mais je sais pas si vous l'avez vu. Avant que je change de place, bref. Avant elle était dans ma chambre et là maintenant, elle est dans le local technique, tout simplement. Ça c'est mon stylo où je marque les œufs. Ça c'est le retournement semi-auto. Ça c'est la température, 38,5, mais j'ai ouvert il y a pas très longtemps. Quand vous... Voilà. Voilà, j'ai deux petites naissances. J'en ai un, c'est un peu dégueulasse. Mais voilà, je sais pas s'il est mort, je crois que c'est pas mort. Bref, on verra bien. Là, j'ai ces deux petits idiots là. Il va falloir que j'amène ça sous lampe chauffante. Et mon titi. Donc, il se débrouille bien, il saute partout. Il faut que se retourner ces idiots. Bon, je vais mettre la partie en attendant. Oui. Ils sont trop mignons. Hop. Là ils ont un peu froid, faut pas que je traîne pour les amener. Ceux qui connaissent, ouais, je sais pas, il y a tout plein de toutes petites plumes, mais bon. C'est pas bien ça le problème. Voilà. Bon, allez, je vais mettre mes chaussures et je vais revenir les chercher. Non. Je vais les approcher que si je rentre avec les chaussures dans la maison, ça va pas le faire. Bon allez, on se retrouve du coup quand je les amène. Ou sur le trajet, je sais pas. Ouais donc. J'évite de vraiment les serrer parce que là on va avoir super froid. Donc là il fait méga froid. Du moins pour eux. Là ça va pas trop leur plaire. Ça je vais courir maximum. Donc là-bas, il y a j'ai deux poussins, un pékin froment frisé. Comme celui-ci, mais comme ceci. Mais en bien plus grand, il doit avoir 3 semaines, un peu comme ça. Peut-être non, peut-être que 2 semaines. Bref, là n'est pas la question. Du coup, celui-là, je vais le mettre avec ces deux petits-là pour qu'il apprenne qu'il va faire plus de mer comme il fait. Oh merde, porte de Dieu, le vent qu'il y a. Voilà, j'ai échappé la porte. Ça fait vraiment un vent de fou. Il y a peut-être 100 km/h, j'en sais rien, mais c'est un truc de ouf. Bref. Ouais, donc là, on a tout curé. Ça, il faut qu'on range. Et ces deux-ci. Ouais. Depuis... Du coup, on a découvert que ceux-ci-là, les tout gris, c'était des criquets Campbell. Et mon frère les a achetés. Et mon frère les a achetés, voilà. Donc là, celui-ci, il va faire office de mère pour ces deux qui ne savent pas encore manger ni boire. Et voilà. Donc, si ton noir, on va le jeter, on va sûrement le foutre là-dedans ou je sais non, pas. Non, plutôt le contraire, parce que. Ouais, noir... on peut bien le foutre avec les canards pour 2-3 nuits, un truc comme ça. Bon, bref, on va s'arranger. Ouais, donc là, il vient juste y aller. Ça, c'est l'autre qui est censé faire office de mer, celui-ci. Pardon, c'est ça, il faut que je balaye. Et ça, c'est mes deux nouveaux. Ouais, allez, nettoie. Donc voilà, dans l'eau, il y a, pour les purger un peu, il y a du vinaigre d'alcool. Ta gueule. Bon voilà, ouais mais arrête de planter, s'il te plaît. Ça va. Oui, il fait chier. Tu as les petits bolos. Ouais, full camp, full camp, full camp. Je te baise. Hein, quoi? Voilà, mon frère est parti, il s'en est pris une. Voilà, donc bref. Ça c'est donc son dernier rouen qui est né. Donc là, voilà, ils sont tous là. J'ai fait déborder la nourriture pour qu'ils puissent se trouver très plus facilement. Et voilà. Regardez, ils sont pas beaux tous ceux-là. Ouais, l'autre, il a un tout petit début de frisure, c'est un gel. Vous voyez là, c'est ce petit truc, cette petite irrégularité. C'est un tout petit début de frisure. C'est trop mignon, bref. T'as mis un petit poussin frisé. Voilà, voilà. Putain, il est pas bien en fond. Je pense qu'il est plutôt épuisé. Par contre, ils ont été dégourdis. Vraiment, j'ai pas eu besoin de les aider à sortir. Alors, tous les autres, je les ai aidés à sortir, voire je les ai sortis tout simplement. Donc, s'il y en a qui me demandent qu'est-ce que je donne, c'est de la semoulette de départ tout simplement. Voilà. Attendez, ça ressemble à ça. Là, on peut voir un peu de tourteau de soja, de maïs, blé concassé. Voilà. Bref, c'est l'aliment de démarrage quoi. Oui, il y a un problème.
Bref, voilà, ils sont tous bien, sauf lui. J'espère que je le retrouverai pas mort celui-ci. Bref, bon, ça devrait aller normalement. Bon, allez, du coup, là j'ai rapproché un peu le nom par rapport à l'autre. Mais je pourrais un peu plus le rapprocher en faisant ça. Voilà. Ouais. Donc, pour les oies et les canards, les cacahuètes, je les ai vendus à mon frère. Donc, c'était pas du tout des colverts. Hein. Je sais pas s'ils savent trop bien ce que c'est, mais bon. Bref. Et du coup, les oies, je les gardais et tout. Là, du coup, j'en ai 5 et j'en achèterai peut-être un peu plus. On verra bien. Bon, allez, restez tous bien confinés. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et voilà, moi je vous tiens au courant comme ça, quand il y a quelques petites naissances, là, 2 ou 3, voilà. Ou plus, voilà. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai mis des œufs de pintade et j'ai mis des œufs de... Merde. Ah putain. Et de Pékin froment, justement. Donc voilà, pour les Pékins, je pense cette année sortir pas mal de petits. Parce que la preuve, hein, elle pond, c'est des poules, donc elle pond tout le temps. Et ce qui fait que du coup, bah, je vais sortir pas mal de poussins. Donc voilà, c'est ça que vous avez à mon frère. Ça, c'est tout notre bordel. Il y a quand même un bon petit peu. Et sinon, c'est dans le local à mon père. Voilà. Bon, allez, salut. Et restez tous bien confinés. Hein. Allez, salut.